Nous préparons actuellement la mobilisation de nos forces à travers la zone la plus dense du champ d'astéroïdes. Votre priorité est d'empêcher le Barossa et les autres vaisseaux moins manœuvrables de la flotte d'être touchés par l'un des immenses astéroïdes se trouvant sur leur route. Utilisez toutes les armes à votre disposition pour détruire les astéroïdes avant qu'ils ne touchent nos vaisseaux. Il est possible que nous rencontrions des patrouilles de marines ennemies d'arrière-garde. Éliminez-les avant qu'ils ne signalent notre position au gros de la flotte de Gris. Vol bleu, le Barossa pénètre dans une zone dense du champ d'astéroïdes. Nous allons télécharger les coordonnées des astéroïdes qui menacent nos vaisseaux. Marines ont miné cette zone. Détruisez les mines des tourelles. Ne vous approchez pas trop. Marines en approche.
Vol bleu, détruisez ses ennemis. Nous avons un énorme astéroïde sur un parcours d'interception. Téléchargement des coordonnées. Joli travail, Vol Bleu. Vol Bleu, nous avons décelé. Téléchargement des coordonnées. Chasseur de Paris, en approche. Vol Bleu, poussez les attaques. Les balayages indiquent que nous nous trouvons dans la zone la plus dense du champ. Bon travail, mission accomplie. Nos forces ont parfaitement négocié la zone la plus dangereuse du champ d'astéroïdes et sont maintenant en route pour intercepter le Talavera et l'Excelsior. Les scanners de moyenne portée viennent de capter un signal de détresse prioritaire qui semble provenir de la plateforme minière Galania. Cette plateforme, qui se trouve dans un secteur voisin, fait face actuellement à une attaque groupée des Marines. Ces derniers tentent probablement de se réapprovisionner en vue de leur retour sur Mars.